Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens, les gars. Eh les gars, non. Non, dites-moi juste, les gars. Eh la famille. Eh la famille, la vie de ma mère. Eh les gars, dites-moi juste que c'est un rêve. Dites-moi juste que là, je suis en train de dormir et que je me réveille et demain, je vais me dire que en fait, c'est plutôt Joshua qui a été mis KO. Les gars, dites-moi pas que ce que j'ai vu, c'est réel. Non, et c'est une dinguerie. Francis Ngannou, les gars. Déjà, Cédric Doumbé, j'étais un peu triste. Mais Ngannou, je suis encore plus... Ngannou, je suis plus triste parce que Ngannou, il a pris un KO, tu vois. Non, putain, tous les renards vont pas se faire finir, les gars. Moi, je comprends pas. On est des durs, on est des solides. On n'est pas des putes. On peut pas se faire niquer. Putain, c'est pas possible. Et c'est... Hey, heureusement que j'ai pas parié. Heureusement que cette semaine, je me suis dit, je vais pas faire de pari sportif. On sait jamais. Je mets pas mon oseille. Je mets rien. Hey. J'ai failli mettre, les gars, un gros billet sur Ngannou, mes frères et sœurs. Heureusement, je l'ai pas fait. Putain, Joshua, je comprends pas. Moi, hey, franchement, dites-moi, non. Comment? Non, moi, j'arrive pas à comprendre. Comment Francis Ngannou peut dominer Tyson Fury et perdre contre Joshua? Moi, je comprends pas, les gars. Putain, c'est une dinguerie, hein. Voilà, c'est une dinguerie. Et la boxe, c'est une dinguerie, les gars. T'as la limite, perd au point, je sais pas, putain. Non, après, on peut pas... T'es... Ah non, non, hé, les gars, non, là, je suis déçu. Il n'y aura pas de débrief. En tout cas, force à Ngannou, ça reste un bonhomme. Moi, je pense que quand t'es chaud dans une...